Et on rentre tout doucement. D'ailleurs, je suis en train de me dire, qu'est-ce que j'ai fait de mon titre de transport? Merde, je sais plus où est-ce que je l'ai rangé, mais c'est pas grave, c'est accessoire. Je sais plus si je l'ai remis dans mon portefeuille ou pas, pas sûr. Là, je commence à avoir un doute gênant de me dire que j'ai pas une bestiole dans le dos. Bah non, il y a mon sac. Donc là, je suis en train de la broyer. Ah, c'est gentil, mais. Non, non, mais j'ai une sensation pas. Un peu commune. Ouais, exactement. J'aurais pas mieux dit. Donc, doute. Si j'étais médecin, j'ai gardé. Non, mais de toute façon, je vais m'inspecter à la douche ce soir. Et avec des jeux de miroir, je verrai si. Alors, j'ai rien qui me gratouille, à part J'ai ça. rien qui est greffé à moi. Il n'y a rien. Ouais. Bah, c'est vrai qu'en s'asseyant sur le bord, sur une souche, on s'exposait. Surtout qu'on est resté un petit moment. La preuve, on commençait à se faire agresser par les moustiques, les mouches et les guêpes. Ce niveau, il y a du sang par là. Pff. Ouais, c'est ça. Oui, je trouve même qu'on marche un peu trop vite. Eh ben, je t'avouerai que j'ai pas mal aux pieds là. Je sais pas quel est ton état. Ça va. Non, j'ai pas mal aux pieds. Oh. Ah, j'ai eu un doute. Ah oui, heureusement. Ouais, surface de peau. Alors, pas une tique, mais je me demandais si le moustique n'avait pas eu. Parce que je voyais un petit point blanc sur la surface de ma peau et j'avais une drôle de sensation. Enfin, j'ai quand même une drôle de sensation. Non, non, je me suis fait piquer. Non, non, salopard de moustique, il m'a piqué. Oh. C'est en train de me démanger dans les chairs. Oh. Il m'a eu, le salopard. Il a eu le temps de se poser et de m'injecter son C'est crotte. là qu'on oublie. Non, mais non. T'inquiète pas, c'est pas la souffrance, mais ça me brûle à la base du bras. Enfin, en surface du bras. Je tiens de la perche pour te gratter. Non. Non, ben non. Évidemment, tu me provoques, mais tu sais bien que c'est le truc à pas faire. Ouais. Notamment, il faut avoir la force d'esprit de résister au grattage. Ah oui, quand Et ça ça marche part plus bien. vite. Ouais. Ah oui, si tu Gratte, ça fait t'excites qu'aggraver. la substance. Moi j'avais l'œil qui était un peu rouge, hein. Je frottais, 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 c'est devenu encore plus rouge et Ouais. c'est un gonflé. Et voilà, le truc à pas Quand on faire. résiste, ça marche. Pareil, quand on tousse de trop, en fait il faut se retenir de tousser le plus souvent possible et ça part tout seul. C'est le réflexe, on a envie d'expulser une toux grasse, d'expulser les résidus, mais c'est pas comme ça que ça marche. Ou alors tu attends un peu, plus tu attends, plus les résidus se cumulent et quand tu tousses, ça fait vraiment dégager là, les corps gras. Faut pas tousser en boucle. Surtout pas. Très difficile de se retenir de tousser quand on a une toux, mais de toute façon, les médicaments anti-toux, c'est une sorte, il y a un peu de neuroleptique dedans qui fait que ça agit sur l'envie de tousser. Et du coup, tu tousses moins, mais ça agit sur ton système nerveux central. Et se faire violence soi-même, je pense que c'est plus efficace. Se retenir Alors voilà, là on va bientôt arriver. Du coup, il nous reste. Là-bas, là. Parce que le retour c'est là. C'est toi qui gères. On va faire un petit tour par là. Tu m'en feras un par là. C'est bien? Ok. C'est toi le chef.
humide, doux, ça dégage à nouveau les narines, je suis content. Mmh. Petite carte violette, regarde, là. Mmh. Mmh. Oui, je peux essayer d'en filmer. Bien vu. Oh, j'ai un superbe halo de lumière. On pourrait croire que c'est une toile d'araignée, mais non, c'est un halo de lumière que j'ai. Oui, elles sont jolies, tes fleurs. Ah, même la perche, elle me dit qu'elle est fatiguée. Alors j'ai tous les indicateurs de batterie en rouge. Oh. Ouais, la première fois que ça m'arrive. Bah au pire, si les deux lâchent en même temps, je reviendrai en mode gerbotron. Ouais. Il n'y aura plus de stabilisation, mais je pourrais raccorder la batterie tout en filmant une dernière fois. C'était peut-être un oiseau, mais à un moment je me demandais s'il n'y avait pas un animal au sol qui s'était annoncé, on va dire. J'ai assez d'énergie pour aller jusqu'au chez moi. C'est bien? Non, non, moi je suis obligé d'entrer en bus parce que j'habite oui. À l'autre bout de la ville. Oui. Là en bus, sans déconner, j'en ai pour 7-8 km. Ah oui. Oui, oui, oui. J'habite vraiment à l'opposé. Je n'en dirai pas plus. J'ai un peu de côte aussi. Oui, et puis mon histoire de supermarché, je vais pas tant kikiner. Oui. Je n'y ai pas renoncé. Tu veux renoncer? Ok. Non, non, oui. Mais tu peux quand même y aller, hein. Non, non, je renonce. Je suis démotivé. D'accord. C'est pas grave, j'irai dans ma grande surface habituelle plus tard en semaine. Ok. Je me dégagerai deux heures. Oui. J'en aurai sûrement l'occasion la semaine. Et puis, t'inquiète pas. Non, non, je vais pas tant kikiner. Le café, quand tu l'as bu, il était encore chaud? Oui. Pas trop froid? Non. Ah. Il était... au-dessus de tiède, il avait encore de la chaleur, mais douce. D'accord, on va arriver à l'aire d'autoroute. Ouais, l'autoroute, je veux dire. Donc, on va peut-être faire un demi-tour si on ne trouve pas de chemin à droite ou à gauche. Mm-hmm. Voilà, cette fois-ci, je m'arrêterai avant la ligne électrique. Non, non, là, honnêtement, je suis bien. J'ai moins mal aux pieds ou ailleurs, au niveau des jambes ou des cuisses que la dernière fois. Bon, là, on a fait beaucoup plus de plats. Oui. On n'avait pas de grimpette spécialement. Oui, il n'y avait pas beaucoup. Ouais. Et là, mon corps dit oui. Là, marcher du matin au soir, ça lui va très bien comme ça.
Le fait de t'entourer d'arbres, ça aide un peu aussi. Oui, oui, exact. Le lien. Pris des coups de soleil, non, tu vois pas trop. Je marque. Crois pas. Non. Ah, c'est bon. Non, non, c'est très bien, on n'a pas rôti. Non, mais ça m'en suffit, merci de me badigeonner les avant-bras. Ah oui. Et le dessus des mains, et nickel. Pas du tout cuit. La ligne de centre juste là, on peut s'arrêter. Ouais. Il n'y a pas d'homme, il n'y aura pas ce qui est écrit dessus. Mmh. C'est bizarre, là c'est tourné, mais c'était encore sous le. Ce qui est étrange, c'est que cette fois-ci. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? J'allais éternuer, mais ouais. Ça. Ça, j'ai pas l'impression que ça tourne, ou c'est bizarre. Oui. C'est... Ouais, ça tourne, parce que le chemin n'est pas droit. Ouais. Et j'ai pas vu de chemin annexe, du coup, on va tout de suite faire un demi-tour. Ben oui. Ah oui, puis là on rentre tout doucement. Mais là encore, c'est génial quoi. Météo idéal, il fait super bon. Ah bah si, il y a un chemin là. Mmh. Je n'ai pas vu le chemin. Nous allons par là. Ok. Oh, et puis j'aime bien comment le chemin se présente. Oui. Ça fait tunnel végétal, ouais. Exact. Il n'est pas trop long. Il n'est pas trop bas, je veux dire. Mmh. Vite les branches. C'est un truc qui est fait de manque d'eau, même sous les arbres. Oui, même sous les arbres, ouais, le sol est craquelé. Ouais. Mais surtout quand c'est du sédiment très fin, ça, la terre très fine, ça craque le plus. Là, elle est assez fine, la terre. Effectivement. Ouais, mais j'apprécie. J'aime bien ce sentier.
C'est bien l'autoroute, hein. Oui, on l'entend, oui. La voie rapide. Oula, il y a du monde, bonjour. Alors, on va où d'après toi? Portion 175. Par là? Comme tu le sens. Non, par là. Ah ah ah. Mais non. Oh, mais qu'est-ce qu'il me fait avec le zoom? Pardon pour le fait Gerbotron, mais. Ça me fait bizarre, c'est la première fois que j'ai les deux indicateurs de batterie en rouge. Et la perche et le téléphone, on voit que c'est la fin de la journée. Je vais d'aller par là. Ok. J'ai des petits crochets pour juste rallonger. Si, si, si. Ah, vie. Mm-hmm.
Voilà, je suis un peu sur le côté des bois. C'est cool. Bonjour. Et hop, je refilme le centre du chemin. Tu vas aller là? Ouais. Bah tiens, on va voir le sol craquelé. Ok. On va aller par là. C'est derrière. Mmh. Je te suis. Ok. Là, c'est la défectivisation, là aussi. À mon avis, par là, c'est le parcours de santé, quasi, presque sûr. Et là, ça retourne au... là où on était entré. Comme tu veux. Je sais pas quelle heure il est, comme tu le sens. S'il est trop tard, on va par là, sinon on va par là. Ouais. Il est 18h13, on va aller par là. Ouais. Bon. On rentre tout doucement. Ouais. Je suis sûr qu'il y a des gens qui se promènent entre 20h et minuit. Parce que c'est bien balisé. Je serais pas surpris qu'il y en ait qui fassent des nocturnes en saison estivale. Parce qu'il est vrai que c'est bien foutu et c'est difficile de se perdre.
climatisation. Ouais, pour le coup, on a une vraie table de camping. Par ici, j'ai réussi. Tu es arrivé par ce chemin. Ouais. On est arrivé, on est passé de l'autre côté. Ouais, bravo. Tu veux qu'on se pose à bavarder sur la table une dernière demi-heure? Et moi, ça me pose stratégique de faire tes courses, hein. Je peux attendre. Je sais pas, je vais prendre la décision à table. D'accord. Mais c'est très gentil à toi. Je vais voir. C'est un peu sale. Oui, je te proposerais presque de te mettre plus là. Que je pose la caméra là, qu'on soit en grand champ. Ouais. Bon, je pense pas que quelqu'un ait l'idée soutenue d'essayer de nous la chipper. J'ai toujours un peu peur, mais bon. Ouais. Donc je redéploie le trépied. Déploiement. Ouais. Je mets. C'est bien la chaussette, en même temps elle fait anti-dérapant. Ouais. J'apprécie le. Je vais y connecter la batterie. Ouais, doucement. On a un monde fou. Mais non, alors attends, je cadre bien. Attends. On nous voit un peu en conversation. Oui. On nous verra tous les deux. Je vais ressortir la batterie. Attends, je vérifie si en même temps. Est-ce que j'ai mis mon titre de transport là? Non. Où est-ce que j'ai mis mon titre de transport? Merde. Alors, je vais sortir la batterie. Qu'est-ce que j'ai fait de mon titre de transport? Alors, attends. Je crois que je pourrais endormir la. Si je puis dire, la perche.